Julien m'a confié la terrible tâche d'entamer ce congrès de 2 jours. Il ne m'a pas donné le choix, à vrai dire. Hein. Il ne m'a pas demandé. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Quelques mots d'introduction. Alors, nous commençons à 9h. Merci pour la ponctualité. Nous terminerons à 10h sans problème. Mon cœur se sert déjà d'angoisse parce que souvent je rappelle dans des conférences que je peux faire que le temps d'attention d'un adulte en mode conférence tourne autour de 8 à 10 minutes. Hein. Donc, vous voyez le problème. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas partie de la moyenne, mais il faut faire quelque chose. Alors, je vous préviens, je m'interromprai sans doute quelques brefs instants, plusieurs fois, pendant cette heure, pour vous proposer juste une question, une réflexion, éventuellement un partage avec vos voisins et vos voisines. Et puis, à la fin, je vous préviens aussi, en espérant que je ne sois pas trop bavard, je vous demanderai tout à la fin de trouver une phrase pour résumer ce que vous avez compris de l'enrichissement pédagogique tel que je vais vous parler, genre gros titre de journal, quoi, slogan, un truc comme ça qui crache. Hein. Donc si vous avez des idées pendant cette heure, notez-les et ça vous servira tout à l'heure. Bien. Alors, l'enrichissement pédagogique, c'est pas un terme très, très fun, hein, et puis que vous comprendrez, enfin vous savez pas très bien peut-être ce que je mets derrière ça, ben, on a une heure pour vous clarifier ça. Puisque vous êtes ici, j'imagine que l'école, vous voyez ça, vous aimiez gêner une école riche, enrichie. Alors, entre riche et enrichi, il y a toute une nuance, et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir. Riche, c'est un état, et enrichir, c'est une démarche. Et ça va être tout l'objet de cette heure passée ensemble. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, quelques réflexions sur la normalité. Dans une vie antérieure, j'en ai eu plusieurs, hein, comme vous toutes ou vous tous, j'ai été enseignant dans un lycée public de la région parisienne. J'étais abonné aux classes de seconde et de terminale. J'enseignais les mathématiques. Mais j'avais en terminale les élèves, on va dire, hein, de second choix. Il y avait les brillants qui étaient ce qu'on appelait les terminales C. Et puis, il y avait le second choix, ceux qui étaient en terminale D. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, avant qu'un ministre change. Et ça me convenait très bien, parce que je n'ai jamais été un mathématicien brillant, mais par contre, je trouvais les élèves très intéressants. Et parfois, le premier jour de classe, vous savez, quand on rentre en contact avec les élèves, je leur posais la question, donc pour s'amadouer un peu, pour apprendre à s'apprivoiser mutuellement, quelle note ils voulaient avoir au bac. Alors là, je crée une grande stupeur. Les élèves disaient, ben, si j'ai 10, ça sera bien. D'autres étaient plus entreprenants, 12, 13, mais ils riaient en disant, déjà, si j'ai ça, voilà. Bon, alors je les interrogeais comme ça. Et après, je demandais à un jeune homme ou une jeune fille de venir au tableau, de dessiner une cible au tableau et de prendre la position d'un archer. Et je lui dis, si vous tirez à l'arc, vous visez quoi? Bah, alors, vous savez, les jeunes qui prennent cette terre excédée, bah, le centre de la cible. Bon. Et au bac, ça veut dire quoi? Viser le centre de la cible. Alors là, je sentais que je l'ai déstabilisé. Ben oui, c'est avoir 20, tout simplement. C'est avoir 20. On vise le 20. On ne vise pas le 10, le 12, etc. Et j'ai des élèves qui ont eu 20 sur 20 au bac, hein, tout de même, il n'y a pas de problème, c'est possible. Donc c'est cette idée sur laquelle on a beaucoup critiqué, entre l'idée qu'il y a les très bons, les moyens et les mauvais, quoi, en gros, hein, c'est pour s'appliquer. Et moi j'avais les moyens, et donc quand on est moyen, on ne vise pas 20, on vise 12, 13, et puis on rêve de peut-être avoir 14 ou 15 au bac. Bon. Et c'est cette idée qui est insupportable quelque part, parce que la seule chose intéressante à faire, c'est de viser le centre de la cible, 20 sur 20. Imaginez un ingénieur qui construit un barrage avec 10 de moyenne, ben, ça serait tout de même dangereux, hein, on est bien d'accord.